les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert et Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour une soluce assez longue parce que c'est celle du Temple du Feu. Désolée, rien de le finir, c'était épuisant et on part direct sur la vidéo pour vous montrer cette soluce. Alors on est avec Yunobo, comme dans Breath of the Wild il est assez pénible, il obéit pas très bien, donc soyez prêts. Hein. Alors il y aura 5 verrous. 5 gongs à activer pour débloquer la phase finale. C'est parti. Comme pour toute soluce, je vous dis dès le début, hein, ce n'est peut-être pas, la solution imaginée par les développeurs, c'est sûrement pas la solution que tout le monde va utiliser, c'est celle que nous, on a trouvée qui nous semble la plus pertinente et rapide. Allez, on se débarrasse du premier golem. Faudra pas trop compter sur Yunobo durant les combats. Alors, passe sur la plateforme. On utilise là le déverseur pour se créer un passage de l'autre côté. Ne faites pas plaque par plaque. Hein. Vous passez de partout sur la lave pour créer un passage directement. Cette fumée, là, on voit pas bien. Allez, c'est là que les choses commencent à se corser un petit peu. Vous voyez qu'il y a des rails, il va y avoir un cheminement. Donc, si vous arrivez avec Yunobo à activer les mécanismes, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, vous utilisez les flèches. Hein. Donc là, si vous avez un fruit de gel, vous utilisez le fruit de gel pour le like-like, pour le finir le plus rapidement possible. Alors ici, il va vous falloir prendre les déverseurs qu'il y a à l'arrière parce que si vous tentez de le faire comme ça avec Yunobo sans créer, on va dire, un espèce de tremplin pour qu'il puisse viser, c'est allez, une chance sur 100 de réussir, c'est ultra pénible. Donc vous prenez le déverseur, vous allez créer des roches, de la roche qu'on va assembler ensuite pour faire une sorte de tremplin. Il y en a d'autres, c'est pas bien grave. D'autres déverseurs. Alors si vous demandez pourquoi j'ai une batterie un peu plus plus grande, on a fait une soluce sur comment aller chercher. Comment aller chercher une. Comment créer des batteries plus longues. N'hésitez pas à la regarder. Donc voilà, une fois que vous avez créé les roches, maintenant il vous reste à créer une sorte de tremplin pour ce cher Yunobo. Allez, vous voyez, hein, c'est. Il va falloir lui faire le tremplin qui va bien. Bien orienté pour que sa seigneurie Yunobo puisse aller taper la roche comme il faut. Il est, je le trouve encore plus pénible que dans Breath of the Wild, c'est dire. Bon, voilà, là il a réussi, on voit le gong en face, donc c'est le premier gong qu'on va pouvoir taper. On attend qu'il arrive. Hein. Oui. C'est parti. Allez, plus que 4. Link, ce truc a déverrouillé. Oui, merci, Yunobo. Alors, n'oubliez pas de prendre à chaque fois ces objets. Vous verrez qu'ils ont leur utilité un peu plus tard. Oh.
premier étage, il y a deux golems. Là encore, on remarquera la grande utilité de Yunovo. En fait, je pense qu'il sera vraiment très très utile après, mais dans le donjon, il... ah, c'est une plaie. Donc là, on va ouvrir le coffre. On refuse jamais un diamant. On retourne ici. Vous voyez qu'il y a une roche. Allez, Yunobo. Évidemment. C'est parti. Donc il faut prendre le bon angle. On appuie sur le... enfin, on tape sur le plot pour ouvrir la barrière. On lance le wagonnet. Pour retourner le wagonnet, placer et les rails dans le sens inverse. On utilise une obo si vous n'y arrivez pas, une flèche. Hein. Voilà, ils sont pénibles parce que ils sont enflammés, mais en plus ils sont couverts de miasmes. Mais mieux vaut vous en débarrasser, comme ça vous n'êtes pas embêté pour faire ce que vous avez à faire. Alors on met le wagon sur les rails. On fait descendre le rail. On fait partir le wagon. On attend notre cher Yunobo. C'est parti. Pour casser la roche. Ce qui va avoir pour effet de créer, de libérer le déverseur et de créer ces roches. Donc là on va utiliser retour arrière pour que ça nous amène sur la plateforme d'en face tranquillement. Alors une fois sur deux, il y a Yunobo qui ne suit pas. Est-ce qu'il nous a suivi là? On va se débarrasser du golem, ensuite on regardera. Évidemment, un épée qui s'est brisé. Et ouais, ça va, il a suivi. Non pas qu'il va aider de ouf au combat, hein, c'est pas arrivé. Mais il tape quand t'as fini, ça. Allez, deuxième gong. Plus que trois. Il en reste encore trois. Ouais, merci.
là, vous ouvrez le coffre. Ça donne du sonium. C'est... voilà. C'est toujours utile, le sonium. Pour, si au cas où, hein, si la paravoile vous intéresse, pareil, on a fait une vidéo sur cette paravoile de Breath of the Wild. Allez, une flèche pour aller activer le rail, monter le rail. On tape pour mettre dans le bon sens. Et c'est parti, comme dirait Yunobu. Que ça, ça a pour effet de monter le rail et l'autre, ça le change en mode circulaire. Vous le placez correctement. Alors ici, c'est très très important, c'est l'ascenseur. Il faut absolument l'activer parce que si vous tombez, vous avez un fail quelconque, cet ascenseur va vous permettre de descendre et de remonter. N'oubliez surtout pas de l'activer, vous pourriez le regretter sinon. Alors là c'est pareil, n'oubliez pas de prendre ces objets, les propulseurs, ils vont être très 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 utiles. Les flèches en bois, ça aussi évidemment les flèches on en a besoin. Ça, de toute façon, les objets, vous les voyez, vous les prenez. Hein. Mais voilà, l'ascenseur, n'oubliez surtout pas de l'activer. Allez, on progresse. Vous avez bien compris. On a yunoboisé la pierre. C'est un verbe qu'on a inventé entre nous. Je yunobote, tu yunobote, il yunobote. Et vous allez récupérer le déverseur. Vous l'activez. Vous allez créer des roches qui vont vous servir à faire comme d'habitude une sorte de une structure pour yunoboiser dessus. Et on la place correctement pour que Yunobu puisse faire ce pourquoi il est là, c'est-à-dire activer le gong. Link, il en reste encore deux. Heureusement que tu es là, Yunobu, pour compter. Donc il en reste encore deux. Vous prenez cette structure. Que vous allez placer ici. Et on va la péter avec Yunobu si tant est qu'on prenne le bon angle, etc, etc, etc. Bon, vous allez sûrement passer un petit peu de temps à trouver le bon angle pour Yunobu. D'où cet agacement, vous entendez parler de lui là. Allez, donc là, on va amalgamer. Alors, il est peut-être possible d'escalader. Je ne sais pas. Nous, il y a un propulseur. Ça a été donné par le jeu. Donc, on l'utilise. Hein. Le jeu ne nous l'a pas donné pour rien. Donc
là on arrive au quatrième étage. Bam. Et là tout simplement on attend ce cher Yonobo pour activer le quatrième, donc l'avant-dernier gong. Donc là il n'en reste plus qu'un. Donc on est bien là. On y est presque. Oui, merci. C'est grâce à toi, Yonobo, c'est grâce à toi. Donc là, ça va avoir effet pour ouvrir la d'ouvrir la grille, pardon. Se plaindre derrière. Oh, oh. Donc le fameux ascenseur hein, dont je vous parlais qu'il faut surtout pas oublier d'activer. Pourquoi? Ben regardez là, il nous permet de remonter. C'est pareil, prenez le propulseur. Amalgamer sur le bouclier et on va se propulser. Évidemment. Avec les propulseurs, on se propulse. Bon, là c'était un fail. C'est pas grave, vu que revient. Se débarrasse du golem. Yonobo qui arrive seulement maintenant. Tu pourrais te demander pourquoi il tape pas. Là peut-être il va taper. C'est pas. Non, pas. Vous voyez faire des moulinets avec ses bras et servir à rien. Alors ici, on voit qu'il y a une pierre à casser. Alors à l'arrière, il y a des structures métalliques qui font qu'on pouvait penser qu'on en aurait besoin pour reconstruire cette passerelle, mais en fait pas du tout. C'est pas la peine de vous prendre la tête, hein. Vous déroulez ça, tout simplement. Et à l'arrière, là, il y a ces structures métalliques. Il n'y en a pas besoin. Bon, il y a le coffre en dessous, donc évidemment, récupérez-le. Oh, qu'il est gracieux, Yonobo. Mais c'est pas utile de vous prendre la tête à les coller au pont. Hein. On aurait pu croire que... Après, peut-être qu'il y a des coffres cachés. Enfin, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, pour finir le donjon, c'est pas nécessaire. Et pour Yonobo, c'est pas nécessaire non plus. Voilà, vous voyez. Ça va tranquille. Escalade. Donc on a l'endurance nécessaire pour escalader. Après, moi je pense que hein, préparez-vous hein, quand on fait un donjon. Moi, à titre personnel, je prépare toujours des plats pour les cœurs et des plats pour l'endurance. Je pense que vous aussi, donc... Et on est au dernier gong. Donc voilà. Ce qui va évidemment donner accès au boss. Si vous ne voulez pas voir le boss, hein, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Donc il y a une caisse là qui doit forcément servir à quelque chose. Hein.
coffre ou je ne sais pas. Allez, le but maintenant, c'est d'aller rejoindre le boss pour valider ce temple. Que le danger vient du plafond. C'est Yunobo pour activer le boss. Mais où est passée Dame Zelda? Il est gentil, mais il n'est pas très futé. Alors on a l'œil de Sauron. C'est un monstre. Et c'est parti pour le combat. Les combats de boss sont pas demandent pas énormément de skill à proprement parler, mais sont très longs, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dame Zelda est à l'intérieur de cette créature. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, Link, il faut qu'on la batte pour sauver la princesse. Effectivement, c'est parti. Regarde entre ses pattes. Si elle te donne un coup, ça va faire mal. Sois prudent. Donc ouais, faites attention aux pattes, hein. Évidemment. Les pattes et utiliser ça explose hein, au bout d'un moment. Vous allez près de l'œil, faut viser son œil. Prenez votre meilleure, votre plus puissante arme. Hop. Attaque chargée. Ça enlève pas de ouf hein, quand même. Hein. Oh, c'est une 76, hein, c'est pas. Ah, en même temps, c'est un boss. Hein. Pas l'OS. Chaque fois, il faut également attendre le temps de recharge du Yunobo. Le top, ce serait de réussir à atteindre son œil avec ses rochers explosifs, évidemment. Allez, go. Attaque chargée. Voilà, donc là, ça passe en phase 2. T'as l'œil de Sauron qui s'énerve. Faites attention aux rochers, il faut utiliser Yunobo pour les exploser, pas se retrouver piégé au milieu parce que ça explose et forcément ça fait des damage, des dommages en français. Des dommages. Oh.
entre un Little Rock, je trouve, et un, ouais, un Inox. C'est un peu ça, quoi. Il a fait mal, hein. Comme je vous ai dit, moi j'ai préparé des plats avant. Je vous conseille, hein, des plats cœur et endurance, évidemment. C'est très bien, on l'a fait tomber. Attaque chargée. Qui repousse. Comme je vous dis, hein, vous voyez le combat, pas, ça demande pas non plus comme dans Breath of the Wild certains skills. Quand par exemple on arrive à l'ombre de la foudre, mais c'est très très long. Les donjons sont plus difficiles que dans Breath of the Wild. Je trouve. Une vue de dingue, c'est ça peut être un peu compliqué de viser. On va peut-être, on va prendre un plat là, on va pas jouer au fou. Le souci, c'est que Yunobo est pas toujours très très réceptif et qu'il n'est pas forcément là quand tu as besoin de lui. Donc tu dois faire en fonction, tu dois l'attendre. Ça, c'est payé. Allez, attaque chargée. Go, 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 go. Allez, allez, allez. C'est fini. Donc là, on l'a mis à terre. Qu'on aime bien, moi je, ça me fait tellement penser à Breath of the Wild. Avec le cœur qui arrive. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai privilégié l'endurance, hein. Au cœur. Oui, il en faut quand même quelques-uns des cœurs, mais... J'ai rapidement mis mon endurance à full, complète. Alors, on va chercher le cœur, évidemment. Et un de plus. J'ai déjà ma petite théorie sur qui sont les descendants là qu'on voit avec le. Je sais pas. Et dites-moi vous ce que vous en pensez. Je parle pas du Nobo, hein. Je parle des descendants qui parlent aux descendants des prodiges. Yone, mon descendant. Voilà.
toi qui as hérité de mon sang. C'est encore cette voix ? Alors, moi, je pense que c'est... C'est toi qui nous parles. Bon, mon avis, c'est que voilà, ça, c'est Daruk qui a mis fin. Peut-être je me trompe, hein, mais... Je sais pas, ce serait tellement logique. Mais je sais pas, on verra bien. Au service du premier roi d'Hyrule. Mais aussi pour moi, c'est ça, quoi. Ils ont fait un saut dans le temps, ils sont allés aider le premier roi d'Hyrule. Et je pense, j'en ai aucune idée, ça se trouve, je fail total. Dites-moi ce que vous en pensez. Et la fierté du peuple gros. J'espère vraiment que c'est. Que c'est Daruk, Urbosa, Mipha et Revaille, vraiment. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon ? Oh là ! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Tu confies... En plus, on voit, il y a quand même l'emblème Sheikah à l'arrière. ...et de la destinée de notre peuple. Je vois pas sinon pourquoi ils auraient des masques. Ça fait pas trop de sens. Pourquoi il leur met des masques ? Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule sur ces terres, un être maléfique apparut, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les six guerriers qu'il a... Ça fait du sens parce qu'on voit que Zelda était déjà présente, donc... aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Et ils ont tous des masques. Qui amplifiaient la puissance de leurs porteurs. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris et part en plus, leurs masques ressemblent au homme qu'on a des prodiges, quoi. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Ruta, Rudania. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre. J'ai tellement envie de revoir Urbosa que... Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du sang. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai fait une soluce sur les larmes du dragon. C'est l'équivalent des souvenirs dans Breath of the Wild. Je vous invite vraiment à faire cette quête pour avoir une belle vue d'ensemble du scénario. C'est très émouvant. Le sceau finira par se briser. Alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service de Chevalier Link. En plus, elle le tutoie. Non, vraiment, si ce sont pas les prodiges de Breath of the Wild, je vais être ultra, ultra déçu. Vaincre le roi démon. Moi, c'est Daruk, Urbosa, Mipha et Shidon, n'importe quoi. À l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés des chevaliers. Oui, voilà, donc, bon, un Yunobo, un sage, j'ai du mal à voir le truc, mais certes, hein. Allons-y, Yunobo, présent, un sage. Vous savez tout sur la guerre du sceau et sur le destin de notre peuple. Pour moi, ça restera encore et toujours le casse-pied qui obéit pas quand tu lui demandes. Le village Goron a pu être sauvé, mais la résurrection du roi démon. Yun, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite au sage du temps. Après, par contre, son pouvoir, je pense qu'il va être hyper utile en jeu, le pouvoir de Yunobo. Là, il m'agace un peu parce que j'ai fait le temple avec lui et que c'était pénible, mais je pense que son pouvoir va être très utile. Plus que ne l'était celui de Daruk avec son Alors, bouclier, je pense. Alors, je dois combattre aux côtés de Link ? Ce serait ça ma destinée ? Vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche. Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons.
gâté. C'est vrai, je vais me battre, vous allez voir. Tu t'es assez comportant d'enfant gâté. Bats-toi maintenant. C'est utile face à des ennemis forts. Allez, donne-moi ton point, Link. Vas-y doucement, on n'a pas le même point. Moi, Yun, sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve. Ah, ça y est, on hérite du pouvoir. Ça, c'est cool. Hop, et une bague de plus. L'avatar de Yunobo. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi. Moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. Donc voilà, en gros, là, on a le cheminement du temple. De A à Z et le combat du boss. Donc j'espère très sincèrement que ça a pu vous aider. Ça a pris du temps hein, de le faire une première fois, de le mémoriser et ensuite de vous le proposer en solus. Donc j'espère vraiment qu'on a pu vous aider. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à commenter. Comme je le dis souvent dans les vidéos, on lit tous vos commentaires et on en est ravis. Ça nous motive énormément à continuer. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous remercie très sincèrement et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.